Génibet, Paris Picandi. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 18 mai, Quintet Plus Top 5 Génibet sur les programmes de Paris-Longchamp. Nous parlerons donc de cette compétition dans la première partie d'émission et j'aurai ensuite des coups de cœur à vous indiquer pour Nantes, la Réunion 2 avec les trotteurs en piste, mais également pour le Lyon d'Angers, la Réunion 4, le Lyon d'Angers qui propose un programme de qualité avec en point d'orgue l'Anjou, Loire, Challenge, un cross-country disputé sur un parcours de très longue haleine. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker. Et ce, via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Le Quintet Plus de ce jeudi 18 mai, c'est le prix des 15-20, une épreuve disputée à Paris-Longchamp. J'aime beaucoup le numéro 3, Rob Blanc, j'en ferai mon favori, un cheval qui compte déjà 4 podiums en 6 quintets courus. Il a été battu de peu dans le Quintet Plus près du Pavillon Royal. Il mériterait amplement de remporter ce quintet. Il en a les moyens, a fortiori avec ce bon numéro dans les stalles de départ. Le 14, Achitach, conduira l'opposition. Il a pris la 3e place du Quintet Plus près de la Chartreuse le mois d'avril à Chantilly. Et ce, pour sa 3e prestation dans un quintet, sa 4e dans un handicap. De quoi ici lui valoir de logique preneur. Le 1, c'est Galord, qui lui a remporté ce même prix de la Chartreuse devant Achitach, un succès qui lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle de l'handicapeur. C'est un cheval extrêmement régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts, affichant même 5 podiums en 9 sorties publiques. Ensuite, je placerai numéro 4, Chocho Boy, confirmé à ce niveau, une victoire et 8 places dans les 5 premiers en 16 quintés courus. Pour son retour sur le mile et avec ce bon numéro dans les stalles, il peut refaire parler de lui. Attention également au numéro 7, Goldino Bello, lui aussi confirmé dans les quintés, déjà lauréat d'événements. Il va, à mon avis, afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dans le prix de la Chartreuse évoqué plus haut. J'ai ensuite placé le numéro 2, c'est Cyrano, un cheval qui avait remporté son quintet sur la PSF de Deauville cet hiver, qui depuis s'est classé 4e d'un quintet à Longchamp malgré la surcharge encourue. Il a un bon numéro dans les stalles et à mon avis devrait batailler pour les places. J'ai ensuite placé le numéro 8, c'est Simon Kings, qui n'est autre que le tenant du titre. Ensuite, il a échoué dans les quintets et dans les handicaps, mais sa récente 3e place dans un réclamé à Fontainebleau atteste de sa bonne forme. En 37,5 de valeur, il convient de s'en méfier. Attention également au numéro 13 dans cette épreuve, c'est El Torero, qui après 4 places de 2e consécutive, s'est classé 4e d'un quintet à Bordeaux dernièrement. Il effectue certainement le déplacement du sud-ouest avec des prétentions. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. En canon partant, je retiendrai le numéro 9, c'est Sindario, au sommet de son art actuellement, mais désormais moins bien placé sur l'échelle des poids. Résumé chiffré, 3, 14, 1 et 4, devant le 7, le 2, le 8 et le numéro 13. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations pour ce programme du jeudi 18 mai. On va commencer par l'hippodrome de Paris-Longchamp, notamment le prix de Pontarmé, avec la liste de l'Ouest qui nous promet a priori une explication que le 401 Codor, irréprochable depuis ses débuts, premier et deuxième. Cela dit, il passera un test sérieux face au numéro 3 Ocean Visions, qui m'avait bien plu lors de sa 3e place tenue dans le critérium de Maison Lafitte, un groupe 2 disputé à Chantilly en fin d'année dernière. Le bémol, c'est que ce Ocean Vision n'a pas été revu depuis sa victoire sur la PSF, c'était au mois de mars. Attention également au numéro 4 Le Tabou et numéro 5 Queen Chavois qui ont pris les 3e et 4e places d'une épreuve de même facture, le prix de Pont-Neuf disputé sur ce parcours de Paris-Longchamp, 401, 3, 4 et 5. Concernant Nantes en Réunion 2, sachez que dans la 6e, Benjamin Le Rebourg est très confiant avec le 606 idéal de Max Franc, un cheval en retard de gain, un cheval qu'il estime ici disposer d'une toute première chance. Eric Raffin a souhaité le redriver, c'est bon signe. Le seul bémol avec lui, c'est le départ, il faut que le cheval s'élance correctement. Et après, une fois 50 mètres de course parcourue, le cheval est assez pratique, il aime aller de l'avant, il aime imprimer sa cadence et à mon avis, il peut parfaitement s'imposer de bout en bout. C'est le 606 idéal de Max Franc. Concernant Pierre-Yves Bouvier, là aussi, j'ai pu m'entretenir avec ce dernier. Il est assez optimiste avec le 705 Flamme Viking. Il a opté pour cette course réservée aux juments. Sa jument revient très bien. 3e dernièrement, elle monte en puissance. Et d'après lui, elle devrait pouvoir disputer les premières places à la faveur d'un bon départ. L'opposition est sans doute au 25 mètres avec numéro 11, Golden Grace, qui sera pieds nus et qui possède de sérieuses références pour briller ici. 705, 711. On ouvre maintenant la page du Lyon d'Angers. C'est la Réunion 4. J'ai pu converser
avec différents entraîneurs, Nicolas Paysan ou encore Thierry Jouin. Concernant Patrice Quinton, eh bien, je pense que dans l'Anjou Loire Challenge, il est bien armé avec le 502 Shawnigan, lequel a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est un sérieux prétendant aux premières places, le 502 Shawnigan. Je lui poserai le numéro 3, Harry Brown, convaincant également dans les préparatoires. Et le numéro 5, Butterfly Dumou, 12 ans, mais toujours un gant, un cheval qui a déjà fait l'arrivée de cet Anjou Loire Challenge à diverses reprises et qui profitera de son expérience dans ce tournoi pour ici une nouvelle fois enregistrer un nouveau podium. Donc la cinquième course, l'Anjou Loire Challenge, Cross Country, le 2 Shawnigan, le 3 Harry Brown et numéro 5 Butterfly de Mou. Concernant Thierry Jouin, il est très confiant que 702, c'est fictif de Gravel, qui d'après lui dispose d'une toute première chance, il le voit lutter pour la gagne. C'était une information que vous pourrez retrouver sur notre site canalturf.com. Et concernant l'entraîneur Nicolas Paysan, il aura pas mal de partants, là aussi j'ai pu discuter avec lui. Il est assez confiant dans l'épreuve réservée aux AQPS en fin de réunion avec le 802. C'est juste une star, et le numéro 3 également. Il est fixe du boulin, d'après lui ces deux juments sont capables de terminer sur le podium, même s'il redoutait sérieusement le numéro 5 Ingrande, qui sera également à suivre de très près dans ce huitième rendez-vous au Lion d'Angers. Donc la huitième, 2, 3 et 5 pour les informations des pistes et recueillies auprès des différents socio-professionnels. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce jeudi 18 mai. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.